Tac. Merde. C'est ça. Ça demande, bah, ça demande de beaucoup jouer en fait à des FPS. Et c'est pas mon. Autant les FPS PvE, tu vois, ça peut le faire, mais bon, c'est pas forcément ce que je chéris le plus. En tant que joueur, on va dire multigaming, j'aime bien y jouer. Mais c'est par exemple, tu vois, un MMO, je peux lui mettre 10 000 heures. Un FPS, il y a peu de chances que je lui mette 10 000 heures. Je peux lui mettre 1000 heures par contre, mais bon, bah 1000 heures, ça suffit pas forcément à faire la diff. Alors, Destiny 2, pour le coup, la problématique, c'est que je l'ai streamé dans le passé. Parce que j'aime beaucoup, à titre personnel, j'aime beaucoup Destiny 2. J'avais un peu de monde dessus, hein, j'ai pas eu plein de l'audience. Mais si tu regardes Destiny 2 actuellement sur Twitch, tu verras un truc qui est assez flagrant. Il n'y a d'audience que pour le PvP. Les gens me regardaient un peu en PvE, mais j'ai déjà streamé, j'avais 150 personnes. En 4 heures, j'ai dû avoir 2 messages. C'était à qu'en gros, ils regardaient en fond, mais ils en avaient rien à foutre, les gens du jeu. Je ne blâme pas du tout l'audience, je ne blâmerai jamais l'audience, hein, soyons très clairs. Ce que je veux dire, c'est que je suis à l'écoute justement du feedback de l'audience, et quand il n'y a personne qui parle, ben. C'est que le feedback, c'est qu'ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe à l'écran, tu vois. Donc j'ai fait, ok, on va pas s'acharner, c'est pas grave. On passe à autre chose. C'est pas grave. Il faut aussi être. Pour moi, c'est important d'être un minimum à l'écoute de l'audience. Et le silence de l'audience. C'est aussi. C'est un message, quoi. Non, 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 du coup, regarde. Aucun problème. Ah, je sais que j'ai un sale caractère, mais. Non, non, sur les autres jeux, j'ai aucun problème. Je stream New World. Même là, Wide Art, c'est un peu calme, ça se passe quand même. Mais non, non, il y a. C'est globalement plutôt animé sur la majorité des jeux. C'est vraiment Destiny 2 qui était totalement le décès, quoi. Et j'ai demandé après. Hein. Et donc les gens là ont pris la parole parce qu'ils étaient bien dans l'ombre en mode bah, c'est vrai que ça les intéressait pas plus que ça, quoi. Alors qu'on faisait des trucs cool, hein, donjons, raids, tout le bazar. Avec en plus les viewers et tout. On avait un team de raid viewers. Ce qui était plutôt stylé. Mais non, c'est juste que. Destiny 2 sur Twitch, c'est du PvP. Allez, viens là, bâtard. Elle est mal placée, là. Ah non. Nice. Couille. Ça me l'est brisé, sévère lui. L'eau de lave puissante, c'est mort. Il fait quoi là? Canon? Mur? Ok. Vendu pour le mur. Et il va prendre cher. Et c'est parti pour le burst! Ah, le service bar. Pas le temps de tout finir, dommage. Yes. La mort va peut-être arriver. On est bon. On va faire un petit heal de zone dès que je peux. Ah putain, je vais m'agripper à lui. Oh là là, c'est mal hein. C'est là où tu vois, je suis assez haut niveau, mais c'est là où on voit la limite. Faut quand même. J'ai logiquement un stuff bien meilleur que ce putain de mob. Et pourtant, faut jamais s'endormir sur Wade Art. Hein. Allez, donne-moi ça, toi. Oh non! Ah merde. Putain. Et c'est passé ce que j'avais peur. Le canon s'est pris le précédent canon. Tu vas rester là, oui.
Il est déchaîné, hein. Sérieusement? Allez, heal de zone. Trop tard, putain. Ah, je fais le heal de zone et je meurs juste avant. Quel enfer. Salopard. Ah, il s'enrage en plus, ils sont pas pour moi. Mais quel bâtard. Non, mais me reste pas maintenant, il y a l'enragement. C'est gentil, mais il y a l'enragement. Je mérite juste de mourir parce que je suis nul. Je suis pas très bon, Katana. C'est pour ça, je pense pas. Même si j'aime bien la jouer, mais je galère vraiment. Les mobs sont plutôt vénères, donc bon. Je pense pas que ce soit une arme pour moi, même si j'aime bien. Moi. Ah bah oui. Après, je sais pas si t'as déjà joué à des Monster Hunter-like. Hein. Dès que t'arrives, tu montes un peu en difficulté, ouais, c'est des monstres sont un peu énervés. Hein. Et ça dépend beaucoup de l'arme que je joue. Tu vois, je maîtrise plus ou moins bien quand même la lame griffe. Là où je maîtrise pas du tout le katana. La lame griffe, j'ai genre 50 heures dessus. Le katana, j'ai genre 5 heures dessus, quoi. Donc c'est vrai que, bah pareil, toi, sur Monster Hunter World, imagine, tu passes ta vie sur la Great Sword et d'un coup, tu passes au double dague. Ça fait pas pareil, toi. Là, c'est un peu le même principe. T'as plein de combos, de placements et tout à gérer. Surtout que moi, j'ai un gameplay très aérien de base avec la lame griffe. Et là, je me retrouve avec un gameplay où je suis cloué au sol, quoi. Non, mais je sais que le canon, pour le coup, je me démerdais pas trop mal. D'en parler d'être bon, j'étais, on va dire, ok. Donc, peut-être moyen de... Ça, là, je continuais un peu avec le katana, parce que j'aime bien quand même. Il est allé en haut, ouais. Aller en bas, il a dû aller en haut. Hop, petit dos de lave. Qu'est-ce que c'est beau, les maps, putain. Ah, il s'enrage, j'ai même pas de quoi lui faire un coup de canon. Moi. Quelle tristesse. Ah, caraculé là-bas. Vite à vie, rien à foutre. Non! Quel salaud, putain. Je vais voir si je peux être dans les airs, c'est un échec. Oh putain. Il a rempété mon heal. Ah non, c'est bon. Mais reste là, putain. Tu me les brises. Mais tu vas rester. Putain. Il me reloot. Ah putain. Quel enfer. Je sais pas la portée. Mettre mon combo. Quel enfer. Lui, il arrive. Ah merde, dommage. C'est juste trop mal, quoi. C'est un délire. Ouf! Non, il s'est barré. C'est bon. Il a pris une petite partie du dégât. Allez! J'arrive pas à lui mettre un seul session de burst, quoi. Ça, le souci aussi. Allez! Voilà! Putain, enfin! Première session de burst, quoi! Quel enfer! On heal. Heal de zone. Ah,
Allez, bouffe! Allez, non! Reste là! Voilà! Bouffe le coup de canon à 600 là! Allez, allez, c'est parti, c'est parti! Allez! Bouffe, 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 bouffe! Voilà! Non! Putain, bâtard, sans rage! Salope! Il fait quoi maintenant? Chewing-gum punch, non, c'est un chewing-gum rocket. Ah oui, le harpon, magnifique. Ah oui! Ah, je vais faire mal là. Allez! Allez, bouffe! Voilà! Là, on fait un peu de dégâts. Merde, il a un mec qui est mort. Mettre un heal. C'est bon, il se bat. Sale bête, hein. C'est vraiment de la sale engeance, hein. Macaque de tes morts. Bon. Parti par où, ce bâtard? On va aller par là. J'aurais pas cru, tiens. Eh ben. On va essayer de lui rapidement lui mettre un petit coup de canon Karakuri dans la gueule là. Ah ça, je vais le perdre la Karakuri bonus. Parce que je vois que j'ai du joli Karakuri bonus, ça sera bien utilisé. Je suis encore loin, ça va être chaud. Allez, allez, plus vite. Rien à foutre que tu t'enrages, bâtard. Non, je me suis foiré. C'est bon. C'est un peu trop tard, je pense. Allez, bouffe! Voilà! Là, il s'enrage encore, bâtard! Putain, mais la taille de son Nao, quoi! Chet! Ha ha ha! Il en a pété un arc, quoi, le bordel! Alors oui, mais pour d'autres raisons. Le boss de fin, il est dur. Oh là, on est nul. Pas pareil. Pas pareil. Tu as raison, mais c'est pas la même chose. C'est qu'il est même pas encore en... Il est même pas encore en tête de mort, ce bâtard. Nice. Allez. On lui fait mal. Piège à chaîne qui a fait du bien, là. Bâtard. Allez, viens là, bâtard! Voilà! C'est bon, il est tête de mort. Voilà, il vient de passer tête de mort en haut. D'un coup, là, il a grandement faibli. Et là, je le burst en plus. Là, il l'a senti passer. Hein. Petit heal de zone pour aider les copains. Heal de zone qui arrive, les gars. Et pour la petite blague dans le jeu,
tu peux avoir une sorte de trinité. C'est-à-dire que t'as les builds basées sur l'aggro et des builds basées sur le soutien en fait au niveau des Karakuri. Ce qui est plutôt stylé en soi. Allez! Oui, c'est pas grave. Je prends des dégâts, bah les couilles. Ça va être le coup du burst. Oh, je les dodge en plus. Ouf! Allez! Allez! Raté, bâtard! Oui! Tu peux même grimper sur les mobs, ce qui est pas toujours ça. Ok, il s'enfuit, là il est pas en forme, on va le tuer logiquement. Chou! Tu trouves le feedback, c'est-à-dire Trace, que le feedback je trouve extraordinaire dans le jeu, donc... Vraiment, Traz, j'ai joué, j'ai 500 heures hein, sur un match. Alors, au cas où, quand je dis 500 heures, hein, c'est pas en mode oh, regarde, je suis trop fort, c'est en mode je connais quand même un peu le jeu. Et honnêtement, le feedback du Wild Arts n'a rien à envier à MH. Mais rien de rien. Le coup du tranchant, des explosions et tout, c'est une dinguerie, au contraire. Il y a une notion relativement subjective dans le feedback, mais jusqu'à une certaine limite. Et c'est les Pedro. Ah bah mais pour le coup t'as une GS dans... Tu as une GS dans Wild Art. Je la joue pas parce que... Bah comme dans MH je la joue pas non plus parce que j'aime pas ça. J'aime pas les armes à chargement tu vois. Mais tu as une GS aussi là, au cas où. Mais t'as pas joué au jeu, on est d'accord hein. Ah Wild Art je veux dire. Logiquement il y a moyen que je le défonce. Parce que là il s'enrage mais je suis assez loin. Allez, salut. Saloperie, bah. Ouh yeah. Il y a une GS bien bien vénère dans Wild Art. Même le bâton Karakuri, dont le coup ultime est une immense épée. 16 minutes, ça c'est long quand même. Ouais. Après, c'est vrai que moi, c'est pas du tout mon... Le bâton Karakuri, j'aime bien. Mais là, la GS, je... pas du tout mon délire. Donc je suis désolé, je pourrais pas te la montrer dans le sens où ça m'amusera pas tu vois, de te la montrer. Les canons, oui. Katana, oui. Double lame, enfin, lame griffe, oui. Mais le marteau, ça... En vrai, le marteau, ça se joue. Ça dépend. Le marteau, il a son charme. Le marteau, il a son charme. Pas simple, mais il a son charme. Dans Red Art. Attends, qui m'a envoyé Oh, celui-ci.